Oui. Ben, ça rigole oui, pas. C'est dur. Ouais, ouais. Ah, puis la fréquence cardiaque est assez importante. Hein. Thérèse Prieur a 74 ans. Depuis 3 ans, elle souffre de BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, le terme médical pour bronchite chronique. Mais non, mais c'est pour ça que je m'en bats. J'étais vraiment plus qu'essoufflé, j'étouffais. Ça a été en s'aggravant, et là, depuis un an, c'est encore un peu plus. Je fais des stages en clinique, voire 4 fois dans l'année. 4 et 5 fois pour un désencombrement. Et la dernière fois que j'y suis allée, c'est avant Pâques. Le poumon gauche, je ne respirais plus du tout par le poumon gauche. Bien évidemment, cette affection oui. La rend moins endurante. Et la vie quotidienne, rythmée par des efforts en tout genre, peut vite devenir un vrai calvaire. Pourtant, elle semble ici avoir trouvé le moyen de souffler un peu. Pourquoi je suis ici ? C'est pour récupérer de la respiration. On fatigue, bien sûr, hein, mais il y a quelque chose d'agréable, c'est que quand je rentre chez moi le soir, je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Ici, c'est l'espace du souffle. Après consultation, les patients souffrant d'insuffisance respiratoire viennent gratuitement se rééduquer à l'effort. Leurs performances sont suivies par une équipe de kinésithérapeutes. Et pour lutter efficacement contre le handicap respiratoire, ils bénéficient également de conseils de psychologues, de diététiciens ou encore de tabacologues. L'espace du souffle se base sur un modèle d'organisation innovant. Soutenu par l'Association régionale d'aide aux insuffisants respiratoires, sa création résulte avant tout du rassemblement de l'ensemble des pneumologues d'Indre-et-Loire. Ce qui est nouveau, c'est que ça regroupe vraiment tous les professionnels qui s'occupent des patients insuffisants respiratoires du département, donc de l'Indre-et-Loire. On a une prise en charge diététique, une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale. On traite le patient dans sa globalité en fonction des problèmes qu'on peut voir quand on lui fait son premier bilan. À l'espace du souffle, les stages de 20 à 30 séances sont remboursés par la Sécu. Il n'y a donc plus qu'à profiter d'un bon bol d'air.